Si vous avez peur de dépenser quand vous recevez un peu plus d'argent, eh bien, vous allez bloquer votre capacité de recevoir davantage. Il y a des gens qui travaillent très fort ou qui ne travaillent pas très fort, mais qui, à un moment donné, ont un montant d'argent supplémentaire qui arrive dans leur compte en banque. Ça vous est peut-être arrivé, ça arrive à tout le monde. Eh bien, quand ça arrive, même si c'est 1 euro, 10 euros, 100 euros, 100 000 euros, eh bien, ce qui se produit, c'est que si à ce moment-là, vous avez peur de dépenser, d'accord, parce que soudainement, vous pensez, ben, c'est le dernier montant que j'ai dans mon compte en banque, j'ai peur maintenant de le réinvestir, de le réutiliser, eh bien, ça va bloquer la roue, ça va bloquer le flot, cette rivière, cette abondance qui circule d'argent. Alors, il faut comprendre que, à moins que vous arrêtiez de faire tout ce que vous faites et que vous vous enfermiez dans une pièce, l'argent va circuler et éventuellement vous allez en recevoir de toute manière. Donc l'argent circule, vous allez avoir de l'argent. La seule personne et la seule manière que vous pouvez arrêter la circulation de l'argent, c'est si vous vous bloquez ce flot continuel par peur. Quand vous avez peur de dépenser parce que vous pensez que c'est le dernier sou que vous allez recevoir, ce qui est quand même un peu irrationnel, ne croyez-vous pas? Eh bien, si vous avez peur de le dépenser en vous disant « ben, j'en aurai pas d'autres, c'est le dernier argent que j'ai », c'est ça en fait le concept, hein. Si vous ne voulez pas dépenser, c'est que vous avez peur que vous n'aurez plus jamais d'argent après ça. C'est ça en fait, la peur, la vraie peur. Mais c'est absurde comme peur, parce que vous avez déjà eu de l'argent avant quand vous en aviez dépensé. Donc, évidemment, vous devez être intelligent sur vos investissements et comprendre comment vous dépensez votre argent. C'est sûr que vous devez être un bon gestionnaire de vos finances. Mais néanmoins, si vous avez trop peur de dépenser, mais ça va complètement vous bloquer sur la réceptivité de l'argent. Parce que l'argent doit circuler. Donc, ce que vous devez faire, c'est le réinvestir un petit peu pour en revoir. Et l'investissement peut-être, par exemple, dans un cours de coaching comme celui que j'offre, mais aussi, évidemment, dans peut-être dans la générosité d'offrir un cadeau ou de donner à une œuvre de charité. Ça peut aussi provoquer cette espèce de flot universel de l'argent. Je me suis aperçue que toutes les fois où j'ai donné de l'argent, où j'ai investi de l'argent, sans m'inquiéter de où l'argent allait venir, l'argent est venu. Toutes les fois où j'ai eu peur de réinvestir l'argent ou de dépenser l'argent, la venue de l'argent a été bloquée. Donc même si c'est un tout petit peu, ça c'est une loi spirituelle en passant de la prospérité, même si vous en dépensez un petit peu, mais juste pour faire circuler le flot et pouvoir en recevoir à nouveau. Maintenant, si vous voulez investir dans un cours de coaching, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. J'ai créé un cours assez extraordinaire que je n'avais jamais fait auparavant, où est-ce que j'aide les entrepreneurs, les coachs, les professionnels, les vendeurs même, à doubler, tripler, quintupler, décupler les revenus. Je le fais à travers des coachings hebdomadaires également, avec des cours en ligne. On est maintenant à 300 cours en ligne pour vous aider, comme une immense boîte à outils, à avoir tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit sur les médias sociaux, construire un site web, écrire un livre, comment vendre, comment fermer une vente, comment parler à des clients, comment avoir des clients sur Facebook, sur LinkedIn, etc., etc. Vraiment une immense boîte à outils à laquelle j'ajoute sans cesse des cours à la demande, en fait, des coachés. Donc aujourd'hui, j'ai eu une coach qui m'a demandé comment je crée une liste email de personnes qui veulent s'ajouter à mes emails. Donc je vais lui créer des vidéos pour le cours, aussi lui créer des vidéos comment construire un site web, parce qu'elle est sur Wix et vous ne devriez jamais créer votre site web sur Wix. En passant, je vais faire une vidéo juste là-dessus à un moment donné. Alors voilà, donc j'espère que ceci vous aide et joignez-vous à mon cours de coaching parce que ça va vous aider à avoir de plus en plus d'argent que vous pourrez réutiliser par la suite comme bon vous semble. Merci, abonnez-vous à ma chaîne parce que je mets beaucoup de vidéos de ce genre-là pour vous aider, surtout en finance, dans votre entreprise, dans vos ventes, mais parfois aussi à vous créer des miracles, à utiliser la loi de l'attraction, à vous attirer de l'amour et beaucoup plus. Merci, à très bientôt.